Salut tout le monde, je suis. C'est lundi le deuxième de janvier de cette année 2023. La nouvelle appliée récente me présentée dans la vidéo dans le site web publicsearch.com. Pour le jour de suite, je fais suite à ce dont on a déjà parlé d'après la nouvelle la fois technique concernant l'achèvement d'une piste qui s'appelle le Mole Valley Rail Trail dans l'État de Vermont des États-Unis. En parlant de cette matière, il faut savoir dire que cette piste est conçue pour trois types de locomotion dans l'État de Vermont des États-Unis, tels que faire une promenade, rouler à bicyclette ou rouler à motoneige. Cette piste s'est étendue jusqu'à 5 cantons de l'État de Vermont des États-Unis pour faire la liaison entre les 18 communes de l'État de Vermont des États-Unis à partir de la commune St. Johnsbury jusqu'à la commune Swanton de l'État de Vermont des États-Unis. Cela se fait par l'intermédiaire de quelques autres communes suivantes. St. Johnsbury, Danville, Cabot, Wharton, Stannard, Greensboro, Hartwick, Walcott, Morristown, Hyde Park, Johnson, Cambridge, Fletcher, Bakersfield, Fairfield, Shelton, Highgate, Swanton. D'ailleurs, encore faut-il dire que, tel qu'on réfléchit sur la construction destinée à cette piste, cela fait penser à l'origine de cette piste, c'est-à-dire, d'après le nouvel dire que c'était d'abord le rage servant de plateforme pour l'opération des trains conçus pour faire la liaison entre deux listes à partir de la commune St. Johnsbury jusqu'à la commune Swanton de l'État de Vermont des États-Unis durant les années passées. Alors, ils ont fait des innovations pour transformer ce rage, aboutissant à former une piste que l'on appelle le Mole Valley Rail Trail. Comme on réfléchit sur la mise à jour, on me dit que, dans la nouvelle la plus récente sur cette matière, on me dit que les travaux de construction nécessaires destinés à l'achèvement d'une section de cette piste qui fait la liaison entre Hartwick et Walcott de l'État de Vermont des États-Unis. Ils seront finis environ dans le mois prochain, le mois de février de cette année 2023. C'est-à-dire, on me dit que cette piste, le Mole Valley Rail Trail, une fois achevée complètement, fera du bien à l'aspect de tourisme pour l'État de Vermont des États-Unis, n'est-ce pas?